To the beat in our hearts, we will do the dance of love. We just can't get enough of that house. To the beat in our hearts, we will do the dance of love. We just can't get enough.
morceau là. Alors, je vais sortir d'ici parce que je vais finir comme cet arbre-là. J'ai tombé quelque part par là, là. On va aller à un endroit plus sécuritaire. Une veine de silicium dans une pierre sédimentaire de couleur bronze, assez brillante en fait. C'est joli. Celle-là, très intrigante. Elle me fait penser à une météorite, mais pas très lourde, donc non. Intrigante. Géode, qu'est-ce que c'est? Je vais l'emmener pour la laver. Par curiosité. Ça c'est beau, mais c'est tout petit. Deux petites pierres de rivière perdues à travers la morcellement des autres roches. Ça, ceux-là, tu vois qu'ils sont naturels parce qu'elles ont été aplanies par la rivière. C'est les plus rares ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout apporté. Les roches, celles qui contiennent des veines de quartz pour couvrir le sol, pour y retenir, parce que c'est une rivière qui, à travers les siècles, a souvent débordé de son lit et elle travaille beaucoup. Et là, ça fait un bout qu'elle est stable. Ils ont mis le maximum au cas où. En tout cas, si les glaciers fondent, là, peut-être que lui va se ramasser. Mais ici, non, hein, c'est vraiment haut. Alors, je suis venu ici pour voir hein, si je trouvais pas des cristaux de quartz, ceux en forme de cristaux. J'en ai pas vraiment trouvé. Hein, dans les veines, c'est moins évident, mais ça peut arriver. Il y a beaucoup de petits oiseaux de toutes les sortes. Ce que je voulais voir, c'est les roches de la rivière. Là, il a arrêté de pleuvoir. Il faut que je creuse un peu pour les sortir. Alors celle-là, je pense qu'elle a de la couleur, je ne suis pas certain. Alors les roches qui proviennent de la rivière sont faciles à reconnaître. Elles sont usées. Et elles ont un rond brun d'algues ou pas. Mais on voit qu'elles sont particulièrement usées par rapport à d'autres roches. Parce que tu vois, ça fait longtemps qu'elle est usée, qu'elle traîne hors de l'eau. Je peux pas aller plus bas que ça parce que l'eau est trop haute. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas de... Alors, c'est seulement quand il y a eu des débordements que les roches ont remonté la surface. Celles-là, je veux voir celles qui ont ressorti durant les débordements, en fait. Il y en a quelques-unes. Ça, ça en est probablement une. Ça aussi. Trop petite. Plus grosse ici. Des granites. C'est quoi ça? Ça peut être une quartzite. Ça peut être une agate mousse. J'ai une idée. Alors, ce que je vais faire, je suis dans un endroit comme ça. Là. À pic. Alors, je vais essayer de trouver de l'agate ici.
parce que ça a été descendu. Alors, les chances sont très faibles, mais on ne sait jamais. Alors, je vais essayer de trouver des agates en cueillant toutes les roches rondes transparentes que je vais trouver, qui ont de la transparence. En essayant de ne pas tomber, là, ce qui arrive avec mes chaussures, c'est qu'elles sont trop grandes. Alors, mon pied glisse dedans. Alors, ça va très, très mal. Je n'ai pas beaucoup à descendre. Je n'aurais pas me péter la gueule. Je devrais être correct. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Je vais juste descendre jusque-là. Et je vais analyser seulement dans les cailloux ronds qu'on voit ici. Pour trouver... Ah! De la... Dolérite, hein? Dolérite. Ah, ça, c'est cool, ça. On y va tranquillement. Tiens, je vais m'asseoir un peu. Et aller la moitié sur mes fesses, parce que j'ai pas de jambes. On va faire ça sur les fesses. On va regarder. Si je trouverais pas. Les styles de gâte. Ça ressemble presque, mais pas tout à fait. Hein? Presque. Je me sers de mon œil bionique. Allez, petite roche blanche, j'en ai vu tantôt. J'en ai un petit peu dans ma main ici, là. Une petite roche transparente. C'est pas juste du quartz, celle-là, hein? On voit bien que celle-là, que c'est pas du quartz. Je vais mettre dans ma poche. Ça me prend mes mains. C'est tout à peine ici. Il y a de l'argile au travers. On voit pas trop ce que c'est ici. C'est quoi? Transparent. J'aurais dû emmener une bouteille d'eau. Je pensais pas venir ici. Hein. Au début, j'avais une autre idée, puis là, finalement, ils ont fait différent. Voilà un endroit que je fais pas de recommander d'habitude. J'en ai des énormes de ce gros sort-là. Ça, c'est des agates sucre. Mais tellement petites, là, oubliez ça. Des agates sucre. Oui, j'en ai. Tiens. Des mini. Beaucoup de oiseaux. Alors, le son, là, hein, c'est vraiment agréable. Je crois que plus d'air, c'est très escarpé. J'ai tombé tantôt, alors j'ai tombé. Vu que je tombais, il y a de la vitre. Alors, vu que je tombais, je me suis laissé échoir, genre coucher. Quand on tombe, c'est à pic, il faut se coucher. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis ça a arrêté ma chute. Heureusement, j'avais pas envie de me péter la gueule. Tiens, une roche transparente. C'est quoi? J'ai pas envie de mettre de la salive dessus parce que c'est dégueulasse. Ah! C'est de là qui est pas plus gros que ça, hein? Jaspe rose et rouge, c'est beau. Hein? On voyait la bouteille par là. Ça coupe ça. Non. Ah, ça c'est quoi ça? Une drôle de forme. Un picot. Ça a été très... Ça a été changé par la rivière, mais ah, tiens. Mini agate sucre. Il y en a un granit. Vous le voyez pas, excusez. Je m'excuse d'avance quand que je filme mal. Quand que je filme à côté. Granit, granit. Ah, ah. Ça fait longtemps que ça a été travaillé, c'est vieux, ça. C'est intéressant, regarde, c'est vieux. Ça, c'est quoi?
vieux aussi. Une vieille roche. Une vieille saphir. Avec la voix de sorcier, de sorcière. Oh, oh, oh. T'es quoi toi? Qu'est-ce que tu es? On dirait bien un jaspe, mais bon. C'est le premier que je trouve ici à date. On va le prendre pour le porte-bonheur qu'il va me faire. Ça, c'est quoi? Oh, c'est juste une roche rouillée, ça. Nugget de sucre cassé. Ça y ressemble. Pourquoi? Ça peut être les petites roches beiges. Alors, des agates de sucre, tiens. Agates de sucre. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste des petites. Des petites billes. Hein. À bracelet, tu fais un petit bracelet plein de petites billes de rivière. Bon. Je suis pas très patient pour faire des bracelets, par exemple. Alors, je descends plus bas que ça, j'ose pas trop. Je vais regarder avec mon œil, il y a place à l'œil, voir si je vois de quoi d'intéressant. Ça sert à rien de descendre quand il n'y a pas rien. Ici, à mes pieds, peut-être qu'il y aurait quelque chose, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous offre ici? Nature. Ça, c'est intéressant. Oui. On dirait une composite. Brachiated, jasper, qu'on dirait en anglais. Ça, c'est quoi ça? On dirait une amazonite rouge, ça existe-tu? Il est joli. Très joli, hein? C'est rose, en fait. C'est pas une aventurine du Lépico. On dirait une amazonette, mais rose. Waouh! Une pierre précieuse juste là. Je l'avais vu depuis tantôt, mais je pensais que c'était un jaspe. C'est sous ces cailloux-là qu'il faut regarder, hein, dessous. Je pense pas que c'est un granit, ça. Ça aussi. Alors, je commence à regarder un peu plus les granites de couleur rose et jaune parce que sont confondants avec certains. Avec l'agate fleur, l'agate mousse et l'agate brachiated. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est trop sale. Bon, je vois rien d'autre de rose, de blanc ou de jaune sucre. Oh, mes chaussures glissent, hein? Les pieds glissent de l'intérieur. Hein? C'est pas trop agréable. Bonjour. Allez. Quelques petits cailloux, une poignée de cailloux ici. À laver et à mettre aussi dans le tombeur parce que même laver, ça fera rien, là. Soulager d'être en hauteur. C'est quand même à pic, là. Je sais pas si vous le voyez. Regardez. Ça, c'est à pic comme ça. Ouais. Quand on n'a pas de jambes, c'est difficile. Genre, faites mon exercice de la journée, c'est sûr. C'est un granit. Bye bye. Censé comme en Californie. Eux, ils se penchent là, puis il y en a partout. À la grandeur des rivières, ils ont des pierres précieuses, puis ils marchent là-dedans. Si on pourrait vivre où on veut, j'irais vivre en Californie. On pourrait toujours aller où on veut, pas de frontières, là. C'est juste un quartz, là, mais... Il est hot.
J'ai dit un quartz, un granit. C'est juste un granit, mais il était hot. Il a fallu que je dérange des fourmis. J'ai levé un bout de ciment. Ben, je me suis dit, autour du ciment, les roches n'ont pas été ramassées. Ça semble être une agate mousse. Je suis pas sûr, là, mais ça y ressemble. Ouais, ou une agate sucre. Écrasé. Allez, on va. C'est juste du ciment, les fourmis. Pourquoi vous vous placez sous le ciment, hein? Pour la fourmi, je vais aller refaire leur. Il y en a qui aiment bien les fourmis. C'est pas mon animal préféré, là, mais. Voyons. Voilà. Tiens. Une cabane. Laissez ça débouler un peu. Alors, on va continuer à inspecter les lieux. On va laisser les fourmis tranquilles. Sinon, ils vont m'attaquer. C'est vraiment fatigant, tous ces camions de construction. Désagréable comme bruit. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un peu par là, mais il y a vraiment beaucoup de bruit là. Il y a de la construction et bah, c'est pas génial à entendre. Alors il va y avoir un bruit de fond désagréable. Je vais peut-être mettre de la musique, tiens.
Cet arbre-là, c'est un vrai survivant. Ce qu'on appelle un survivor. Survivor tree. En temps normal, la végétation ne devrait pas avoir à se battre contre l'homme pour pouvoir survivre dans les berges, hein? Mais il y a toujours des idiots pour les frapper, pour les couper, pour mettre du ciment dessus. Parce que ça nuit à des fils électriques, parce que ça. Ou juste parce qu'ils sont là, hein? Parfois, il n'y a juste pas de raison pour ça. Tiens, je vais faire ma photo ici. Ça, c'est le genre de nature qui pourrait pousser sur la planète Mars. T'as vu? C'est un champignon lichen, une coche que tu peux voir, qui pousse sur les plantes, sur les roches dans le nord. C'est de la nature aussi, hein? C'est fascinant de voir cette chose-là. C'est biologique. Champignons microscopiques. C'est un fossile de. Je sais pas c'est quoi. C'est vraiment un fossile d'ossement. De corne, je sais pas, je vais l'emmener. De bois de serre ou d'os. Puis beaucoup de petits cailloux transparents. C'est drôle ici, il n'y a pas vraiment de jaspe. Hein? Habituellement, j'en ai plein. Bon, je vous en ai montré plein. Thank you.
écrit le mot gilet, mais là. C'est supposé être écrit Zayan. Et le pire, c'est quand je l'ai fait, j'ai fait une faute d'orthographe. C'est niaiseux. Hein? Alors, c'est simple. Tu prends un vieux gilet et tu fais des dessins avec l'eau de Javel. Puis là, maintenant, mon fils, quand on sort, il dit, tu vas pas mettre ça pour sortir. Moi, je dis, ben ouais, quoi, il est beau mon gilet, il est fait de même. Mais non, il n'était pas fait de même. Je dis, ben oui. En plus, il savait, je l'ai tendu, hein. C'est moi qui l'avais tendu. Il est beau de même. Il est beau mon gilet. Très beau. Il est beau. Ça fait des belles grandes tiges de fleurs bleues. Ça va être magnifique. Qui a pensé que c'était une dombe? Ça par là-bas. Toutes sortes de bruits. J'entends un oiseau qui fait un son, mais il y a un enfant qui fait un son dans une maison qui fait écho sur le lac. Il y a un oiseau qui imite ce son-là. Aïe, mais j'ai mal aux chevilles en marchant dans les cailloux comme ça. Oh là! Aïe, aïe, aïe! Mes chevilles me font mal! Ow! Ow! Je me découvre des nouvelles douleurs. Bon, on va arrêter de se plaindre. Et on va rentrer à la maison tranquillement. Ah oui, ma cheville. Au, on dirait qu'elle est bloquée. Ça a fait crunch. Ben, je vais aller me prendre un bon bain. Avec des huiles pour les muscles.
c'est un beau tapis de myosotis. Joli. Bon, les déchets, je vais y ramasser. Je vais aller porter aux poubelles. Parce que curieusement, il y a des poubelles juste là. Ouais. Les gens sont stupides, c'est comme ça. Il y a toujours du monde stupide. Il n'y a pas de virus contre la stupidité encore. Hein? Du coronavirus, un virus contre la stupidité. Pas contre les gens stupides, contre la stupidité. Tout le monde deviendrait intelligent d'un coup, rien que la stupidité qui est vrai. On deviendrait tous sensés. Logique et empathique envers la nature. Hein? Tiens. Mon détecteur de stupidité a détecté un couvercle là. Ici, c'est pas spirituel. Habituellement, c'est ici qu'il y a le plus de déchets, mais là, tu vois. Hop, ça va pas dans ce sens-là. Poubelle ici. Ah, voilà. De l'autre, je recycle. Du papier, c'est recyclable. Idiot aussi. Après ça, il n'y a plus de place dans les poubelles. Recycler. Alors, je me lave les mains en disant maison, j'ai pas de gants. Coronavirus time. Tiens. On va aider un peu le chemibilic. Tout ce qui est papier, tout ce qui est carton, ce qui est plastique, pas trop sale, ça se recycle. Ça, je peux pas le recycler parce que c'est probablement une chose d'huile à moteur ou d'huile à brake. Alors, je le mets ici. C'est une poubelle. Ce qu'on avait, du papier de cigarette, c'est du papier. Une boîte, c'est du plastique. Tiens. J'en ai pas dans mes affaires. Je vais pas m'emmener chez nous. J'ai assez d'aimer à mes déchets. Bon, je vais regarder ce que j'ai récupéré comme roche. C'est mon sac qui est lourd. C'est mon manteau qui est lourd. Moi, c'est mon manteau, il est lourd de main. Mes clics sont lourds. Il n'y a presque rien. Alors, je me suis emmené des quartz. J'ai emmené cette pochette-là. Je sais pas pourquoi je l'ai emmené. Ça pourrait être beau dans un aquarium. Dans un terrarium. Ça aussi. Dans un terrarium. Ça, c'était quoi? Ah, oh, ouais. Je vais emmener ça, moi. Des fois, j'ai des drôles d'idées, hein? C'est quoi? C'est une roche de cuivre, je pense, avec un peu de quartz dessus. Je vais la laisser là. Je vais pas emmener ça. Ah oui, elle, c'est une roche absolument inconnue, avec plein de bosses. Est-ce que c'est du ciment? I don't know. C'est juste les champignons qui ont fait l'apparence grise. Oh, les enfants qui hurlent. Ça se peut-tu que ce soit maman qui soit en train de pêcher là? Ou papa? Va chicaner tes enfants qui crient au meurtre là. T'as ton poisson là. Tu vas pouvoir aller les cuisiner pour eux. Ça va les calmer. C'est épouvantable, crier de main. My gosh. My gosh. What is that? Possiblement une agate sucre. Ça y ressemble. Ouais, une petite agate sucre, tout petit. La rouge-gorge à côté de moi, Théo. Viens me voir. Il est reparti. Depuis tantôt que je me chicane, il repart. Viens me voir. Ah ben oui, je pense que c'est ça. Hein? Il va bien tranquillement, pas pressé. Je suis pas pressé, moi, non plus, avec des enfants de même. Oh my gosh!
Oh my gosh! Je m'en viens, mes mères, mais là, le temps. Ah, je suis bien, moi. J'ai eu un enfant, puis il est rendu grand, puis il a jamais hurlé comme ça, Simonac. Mais il était tanné en sacrifice, lui aussi. Oh là là, qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Encore aujourd'hui, il a tout un caractère. Hein? C'est une autre génération. Ils font à leur tête. Il apprend par lui-même, puis il veut pas. Lui, il veut pas qu'on lui apprenne des choses. Ah ben oui, c'est peut-être maman ou papa qui revient à la maison avec du poisson pour les nourrir. Je me suis raconté toute une histoire. Il va aller lui botter le cul. Bon goût au cul. Je suis pas pour la violence, mais moi là, j'avais un truc. C'était la chaise de punition. Ah, y en a qui trouvent ça sévère. C'est pas sévère pantoute. C'est une chaise. Je l'appelais la chaise de réflexion. T'écoutes pas, tu vas t'asseoir là-dessus. C'est plate, hein? Reste assis. Bon. Restez pas assis toute la journée où il n'y avait pas de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Restez assis. Chaise de réflexion. Tu te lèves pas tant que tu sais pas pourquoi que je t'ai mis là. C'est sûr, il fallait pas que je le mette là pour rien, juste pour avoir la paix, hein? Vas-y, vas-y, scanner tes flots. C'est droit de ça, cette fille. C'est le parent qui était parti. Puis les enfants étaient après virer fou. Oh my gosh! Là, il y a eu la paix, là, au bord de l'eau, mais là, il était j'entends crier de même. C'est assez, hein? Oh, c'est Mathieu, je l'ai tout seul. Bon, aller à la maison. Regardez ça, tout le goudron sur le parking. C'est pas beau, ça, du goudron. Juste pour finir, cette étrange forme de roche que j'ai pris pour un tampon, tampax, ou un œuf de serpent bizarre, je sais pas trop quoi. Puis finalement, bah, c'est une roche.